Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur NewsEli. Nous allons parler sur quelques articles dans le journal international, tant que Miami Herald, qui ont réagi par rapport avec le discours Ariel Henry qui a fait hier soir. D'abord, le titre là, c'est qui ça pour nous souligner, et nous-mêmes, nous parler de ça tout hier soir. Et Ariel Henry qui m'a dit que la communauté internationale a vu porter le secours. Tant pis s'il vous plaît, face à ça, le considérer comme une crise et humanitaire. Bien que monsieur pas précisé, monsieur pas trop de détails, elle parlait de porter secours. Et est-ce que Ariel Henry subtilement rendait une intervention de la communauté internationale? Et faut-on dire, parlant de porter secours, parce que nous sommes obligés de souligner, causer ça. Ça a bien longtemps, nous connaissons que. Et Canada, en fait, ils font la loi au départ, ils ne sont pas même d'accord. Et ça n'a pas l'équipement PNH. Il y a des gens qui ont dit, ou bon PNH, qui effectivement pas la même force de frappe avec des bandits. Ok? So, face à la situation, ça, comment comprendre? Et non seulement tu as une résistance pour être capable de même accepter l'acquisition, mais après, en pile. Et discussion, ils étaient d'accord que et justement, et engin lourd ça était supposé venir dans le pays. Mais jusqu'à présent, et pas rien, pas rien. Et c'est dans la même communauté nationale, ça, même communauté nationale, ça, qui gagne le Canada, entre lui-même, et c'est eux-mêmes qui ont dit qu'ils ont besoin de couloir humanitaire. Donc, vous avez senti que le Canada va supposé sentir une urgence. Des documents qui va cadre non que vous commandez pour permettre que la police soit capable et mieux armée faire travailler et plus de 2 mois après annonce que vous dit ou approuvé mais jusqu'à présent n'a de marinade. OK? Donc et Canada qui fait partie des communautés nationales là s'il était senti vraiment consterné pour épauler police là aider dans l'effort là pour bataille la faire. Et notamment, il a supposé ben, jusqu'à vous avoir gagné. Ok. Et maintenant, pays d'Haïti qui plongeait dans une crise qui chaque jour plus a venu pis mal. Et en fait, n'a pas rappelé que dans mi-temps bagaille ça, on gagne une épidémie. Choléra, parce que ça, en fait, n'a pas nous comprendre ça. Choléra, Jean-Rotter a dit qu'il n'a pas oublié que tu as gagné plusieurs. Organisation qui te ka marché dans le pays. Ça va bien longtemps. Il y a une bonne organisation qui te ka marché. Je ne veux dire qui est-ce qui ka marché dans le pays ça. Puisque gang dans tout cas fou a violé, a fait des faits. OK? Et maintenant, Ariel qui dit qu'il y a besoin pour gagner support pour empêcher et puis ta papitrice pour empêcher mon cap mourir. Et en fait, j'ai noté hier, c'est que Ariel, justement, il fait comme si pas rien en population qui est dans la rue qui est mauvais, tout bon vrai, par rapport avec décision pour le gaz là. En fait, nous-mêmes, nous te pointons du doigt, parce que c'est une bagaille que nous ne savons pas si la trop tôt, pas trop tard, que monsieur t'a supposé d'accord qu'effectivement, monter pour Gaza, s'il est vrai qu'on gagne, a toujours dit, gagne un bon, comme tu as dit ça. Institution privée, qui a fait comme, mais les vers de l'Est, si tu es sérieux, tout bon vrai, si tu es quelqu'un monde qui est conscient, il faut être d'accord que c'est un gros loup, c'est un gros chat lié sous épaule malheureux, lorsque vous montez gaz, ça, il est vraiment extrêmement difficile. Et ça, c'est l'honnêteté. Et nous pensons qu'à ce propos, il n'y a pas aucune honnêteté et n'en causer ça. Et je dis, il est clair que, il y a des côtés effectivement, causer et manger son problème, les vignes, store, pas carré, approvisionné, bon, pas capable de l'eau propre, l'hôpital, compagnie, de communication, un ensemble de bagages qui pas qu'attendre et qui effectivement, tu as supposé qu'il y ait un couloir humanitaire, justement, pour faire réhydratation sodium. Tu as supposé bon couloir humanitaire, nevertheless, tout le monde d'accord ça. Mais le problème, c'est que l'équipe de Ariel, justement, dans le discours, nous pensons que
C'est un discours provocateur qui toujours a provoqué la population. Gang yo entré dans la quatrième semaine là, depuis qu'ils ont commencé à bloquer accès, aller-retour dans Varé. Bien que nous connaissons des paroles qui parlent, des cobs qui brassent, des pécobs qui tombent. Qui... Et ils attendent toujours. Bon, des cobs pour bail, c'est là, oui, tout ça. Peut-être qu'il y a des millions de gouttes qui cabent avec gang, mais ils sont pas capables justement de financer gaz pour la population qui est directement bénéficiée. Et donc, et gagner des. En fait, on dit presque toute partie politique, yo campé en face l'idée pour ta déployer des troupes nationales en Haïti. C'est pas un bagage au cas vain facile présentement dans le pays d'Haïti. Et maintenant, mais nevertheless, il va falloir que vous joignez. Ils ont sorti de crise avec situation ça qu'a traversé là. Et ils ont estimé qu'il y a n'importe 10 000 Haïtiens qui sont capables de mourir dans la maladie choléra si pas vraiment gagner des mesures exceptionnelles pour protéger et mourir. Ok? Et qui ça qu'a fait? Et les parlementaires américains, notamment nous gagnons des, nous en fait ça qui va ça qu'a actuellement dans la bataille pour penser en Floride, nous voulons parler de demain. Et ils ont même introduit une législation au niveau du Chambre des députés. OK? Et la législation ça qu'ils ont introduit, ces deux parlementaires démocrates, ils ont demandé au gouvernement pour faire investigation. Contrairement avec l'ONU qui demandait à Ariel et l'autre monde pour bailler dans gang, mais ils ont demandé au gouvernement pour faire investigation au sein des partis politiques haïtiennes, des figures économiques, des organisations qui t'a. Qui t'a suspect nan et supporté gang yo. Donc pour investigation ça pour joindre yo et pour yo capable prendre des mesures contre yo. Proposition pour ça yo rele Haiti Criminal Collusion Transparency Act yo focus sur justement gang dans la rue et yo va demander fédéral investigation rapport sur des individus dans secteur politique dans secteur économique des organisations qui a supporté gang et activité gang dans le pays d'Haïti. Député Valdemain et démocrate cap comme US Senate en Floride, il actuellement représenté 10e district et justement il va introduire législation en semaine ça dans chambre des députés. Grand démocrate sénateur Bob Menendez de New Jersey qui lui-même tout l'a sponsorisé ça n'a relé une autre version en version au niveau du Sénat pour Bill Saha qui visait pour prendre des sanctions énormes contre les gangs et leurs alliés. Il a dit qu'il demande ça à venir dans un moment et sanctions communauté internationale là, les prend sous bandit pour bloquer et gaz et travailler ces pays là, et notamment Genève qui je dis à qui c'est un. Et nous connaissons qui sont confédérations, qui ont plusieurs branches. Et maintenant, il se trouve que présentement là, et communauté nationale là, j'ai espéré que Fritz Alphonse, parce que pendant que tout le monde dans la rue, on devrait nous comprendre ça. Et c'est le secteur ça, oui, qui a demandé pour négocier là. Fritz dans Montana et autres, et eux-mêmes en fait. Parce que ça passe au niveau de Montana, il y a un bon secteur représentatif qui est fait. Voilà pourquoi il y a toute représentativité. Ça. Diplomatie, même été espéré, il y a un deal entre les secteurs de Montana et Ariel Henry, mais il y a beaucoup là toujours. Ça me dit non? Et donc, c'est ainsi que demain, il pense que la nouvelle loi, ça va parler d'identifier les mauvais acteurs. Et des séries de monde qui a fait des séries de bagailles contre la loi et pour que le monde soit justement capable de payer ça vous fait pour capable de prendre responsabilité. Voilà qui Jean ces parlementaires justement qui à travers la résolution ça a voulu mettre un foin et non bandits qui s'ajoutent plus a pas fait et des faits dans le pays d'Haïti. Donc voilà ce qui route qui ont décidé d'aller là. Donc
Nous autres, nous suivons et comme ça, nous sommes capables de porter toutes dernières updates pour vous.